Bon, salut tout le monde. Alors, petit récapitulatif, on va dire, par rapport à la vidéo d'hier que j'ai pas sortie. Donc en fait, j'ai bien dessiné, ce sont ces personnages-là. Enfin, ces silhouettes, hein, ces esquisses, ces poses. Donc j'ai bien enregistré, j'ai fait le montage, tout ça, mais en fait, bon, voilà, je trouvais pas forcément intéressante la vidéo. Elle me déplaisait, on va dire. C'est pas qu'elle était pas intéressante, c'est qu'elle me déplaisait. Donc, parce que voilà, c'était encore des pauses. J'en ai déjà fait, ça fait depuis le début que je me suis remis au dessin, c'est que ça que, pour l'instant, des pauses et machin. Voilà. Donc, j'ai envie de passer à des visages. Donc, je crée un nouveau groupe dans lequel je crée un nouveau calque. Oui, donc voilà, c'est des pauses. Bon, bah, c'est sympa, c'est des pauses. Vu qu'elles me sont pas forcément utiles pour l'instant. Par contre, elles me seront bientôt utiles. Pas forcément celles-ci, mais de travailler des pauses. Parce que dans pas bien longtemps, il va y avoir quelque chose de nouveau. Donc, sur ce. Donc ça, je masque. Ok. Donc, nouveau calque et je vais faire des visages. Parce que les visages des têtes, parce que j'ai besoin de travailler un peu des visages des têtes, j'en fais pas. Donc il faut s'y mettre. Parce que des personnages sans visage, oui, ça s'appelle un sans visage, c'est sympa, mais non. Alors, qu'est-ce que je vais faire comme visage? Comment m'y prendre? Vais faire un visage assez droit. On va faire un... Je vais faire un... J'aime bien le... J'ai ce nez comme ça, un peu cassé. On va faire comme ça. Un peu... Ronchouillard. Alors, par contre, là, son visage, il part trop sur le côté. Ok, on va partir ça comme ça. Ouais. Son menton, je vais lui faire un menton marqué. Ouais, voilà. Mince. Voilà. Ok. Là, on va marquer ça comme ça. Ici, son crâne. Non. Son crâne vient là. Ouais, je vais faire un crâne plus droit, en fait. Voilà, son oreille. Voilà. Oui.
Donc, je veux pas y arriver. Si, c'est bon. Bon, ouais. Bon, c'est pas grave. La coupe de cheveux. Alors, la coupe de cheveux, c'est toujours... je sais jamais quoi faire comme coupe de cheveux. Attends, on va faire l'oreille avant. Et... Ok. Voilà. Coupe de cheveux. Ouais, on va faire comme ça. On va remarquer un peu plus le visage. Pour le coup, c'est pas très... Voilà. Non. Ouais, ça ne fait pas vraiment... Ok, bon, ça va à peu près. Là, ça va pas, c'est pas assez haut. On va rajouter un peu comme ça. Bon, ça donne quoi? Ouais. Ouais. Alors, bon voilà, c'est son visage, hein. C'est comme ça, il est comme ça. Bon. Hein, on décide pas du visage des gens, hein. On est comme on est. Ok. Donc ça va, pour un premier visage depuis longtemps et pas forcément un visage lisse, hein. Là c'est un truc un peu... un peu pas forcément lisse, hein, si tu vois ce que je veux dire. Bah, j'en suis plutôt content. Ok, donc là, voilà, de toute façon, hop, là, voilà, ça, grand tac. Ok, donc c'est juste des visages. Donc ça sera un premier visage. Ouais, bof. C'est un peu une gueule cassée, en fait. Par contre, je me rends compte, il y a quelque chose qui va pas, et c'est que le... Voilà, tout ça, là, on va le déplacer. Parce que c'est quand même un peu trop... Un peu trop bas par là. Ouais, pour le coup, ça va mieux là. Et même, en fait, un peu trop haut. Voilà. Bon, bah voilà, c'est bien, non? Pour un premier visage. Alors. Un deuxième visage. Qu'est-ce que je pourrais faire?
Donc, vu que je n'avais pas d'idée, je vais aller chercher des modèles et je vais m'inspirer de ces modèles. Je vais faire des mix entre les modèles. Donc c'est reparti. Alors, par exemple, une tête assez... Tac. Assez simple. Comme ça. Hop. Bon, elle est pas assez grande en fait. J'ai du mal à faire des grandes têtes. Donc, on reprend. Comme ça. Attends, en fait, je vais poser la base, puis je vais la sculpter, entre guillemets. Et... Voilà, allez, on lui met les oreilles directement. Ok. Donc toi, ton oreille, je la gomme à l'intérieur parce que bon, y a des trucs là, ça sert à rien à faire là. Ça rendra l'oreille un peu plus lisible. Voilà. Nice. Donc, je vais faire une tête comme ça, un peu marquée au niveau de l'œil. Ici, on marque les extrémités de la bouche. Il a des petites lèvres. Voilà. Tac. On va faire un peu le... Voilà. Peu comme ça. Ça tombe. Là, le bas. Bon, là, pour le coup, c'est un peu trop marqué, par contre. Ça fait un peu bizarre. Ouais, voilà. Ok. On est, il a un nez type standard pour le coup. Et voilà, type comme ça. Ok, hop. Ses yeux. Faire des yeux. Les yeux qui tombent. Ah voilà, comme ça. Ok. Voilà. Ah tiens, il a genre une cicatrice. Tu vois une cicatrice, là il est marqué au niveau de l'œil. Comme s'il avait été brûlé. Ouais, c'est pas joyeux tout ça. Par contre, il est vénère. Il fronce les sourcils. Et ici, hop, il est un peu... Il est un peu marqué là. Est-ce que ça donne bien? Ouais. Ça fait un peu bizarre quand même. C'est pas grave, il a une tête bizarre. Il faut des têtes bizarres. Je veux trouver des têtes bizarres. Ok, il a quoi comme coiffure par contre? On va faire tac.
On va faire. On va faire comme ça. Faire comme ça. Alors, ça donne quoi? Ça donne que ça, je sais pas ce que ça affiche là. Voilà. Ok. Ok, voilà, au moins un deuxième visage. C'est pas forcément des visages qui me plaisent. Lui, j'aime bien lui quand même. Mais bon. Il faut tester, de toute façon, il faut faire. Hein. Il faut faire. Donc, je vais faire un village. Un visage allongé. L'eau du crâne. Il n'a pas un crâne régulier. Hop. Là. Pourquoi je lui ai fait la tête à ce point décalé là? On est... Hein? C'est du n'importe quoi. On va décaler complètement de travers. Ok. Donc on va faire ça. On va gommer là. Voilà. Là c'est un peu trop marqué. Je casse ça. Là, également. Ok. On va faire. Hop. Voilà. On va lui marquer là au niveau de sous les yeux. En fait, j'aimerais bien trouver des yeux. Un truc original pour faire les yeux. Pourquoi il a des yeux aussi hauts que ça? Parce que je voulais pas faire ça au début, c'est pour ça. Lui, ça allait encore. On va faire comme ça. Voilà. Des fois, j'ai la broche qui s'enflamme là. Qui s'enflamme, qui s'emballe. Ouais. Donc ça, en fait, ça serait plutôt plus bas. Bon, pour le coup, il a le visage trop allongé. Ça va pas. Donc vu que ça va pas, je fais ça, ça. Et voilà, on va faire comme ça. Toi, tout en haut du crâne, là, pareil. On va le descendre. Et on va te mettre là. Ouais. Donc toi, on gomme. Voilà. On met les pommettes ici. On va faire comme ça.
Voilà. Bon, je vois, je dis, je m'en. Oui, bon, c'est l'inspiration. C'est pas. Parce qu'en fait, ça n'a rien à voir avec le modèle que j'ai. Ça, c'est pas grave. D'ailleurs. D'ailleurs. Mince. En fait, ça me plaît pas. Ouais, voilà. J'ai envie de lui faire une tête plus. Plus pointue. Bon, le haut du crâne. Et son menton, il est quand même trop bas. Voilà. On va faire l'oreille un peu différente. Ok, en coiffure. Moi, il me plaît pas en fait. Mais c'est pas grave, on va laisser comme ça. C'est pas grave, c'est pas grave. On s'attarde pas dessus, c'est-à-dire que ça sert à rien. Je crois que ça sert à rien. Je vais quand même lui mettre une coiffure. Je vais lui mettre quoi comme coiffure? Comme ça. Ouais. Bon, ça va. Avec des cheveux, ça passe. Mais bon. Ok. Alors. Allez, un deuxième visage. Allez, on essaye de faire un truc bien là cette fois-ci. Truc du genre. Genre comme ça. Un peu bien marqué. Attends, je vais gommer pour voir ce que ça donne. En étant un peu plus lisible. Il a un gros nez. Ouais, voilà, comme ça. Ici, je vais faire un peu plus marqué.
Si, comme ça, voilà. Ok. Il y a des petits yeux. C'est pour mettre, descendre assez comme ça, on va dire. Pas trop marqué, mais ouais, voilà. Comme ça. Donc ici, hop, là, on marque. Voilà. Au niveau de la tempe, ouais, ah, ça. Je voulais pas lui faire le crâne trop large. Ouais, on va dire comme ça, on va dire comme ça. Bon, ils sont tous un petit peu tous vénères, même égal, hein. Voilà. Voilà, l'oreille, on va la faire comme ça. Voilà, une autre oreille de l'autre côté, parce qu'en fait, il en a deux, lui. Ok, on va faire comme ça. Ouais, voilà. Ah, ok. Alors les cheveux, encore une fois. Assez court, en fait. Assez court et... Est-ce que ça donne pas trop vilain? Ah, attends, je vais rajouter des... Ça s'y prête bien là. Hein, ça. Des... Je sais plus comment ça s'appelle là. Des trucs comme ça, on va dire. Voilà. Et il a un épi. Pourquoi? C'est comme ça. Il a un épi et c'est dommage, mais c'est comme ça. Et il s'en fiche de toute façon. Ouais, bon. Alors, ça fait combien de temps? Parce que là, bon, je suis à 45 minutes d'enregistrement, mais entre le moment où j'ai cherché et tout,
Je crois que c'est à peu près bon. Bon, il n'y a eu que 4 visages. C'est pas autant que j'aurais espéré. En fait, c'est pas évident d'inventer des visages. Bon, là, pour le coup, je me suis un peu inspiré de références. Même si, finalement, c'est pas ressemblant. De toute façon, le but d'une référence, hein, c'est pas forcément que ce soit ressemblant. C'est le but, c'est juste de nous guider. Donc, de toute façon, je voulais pas que ce soit ressemblant. Donc, ça tombe très bien. Sinon, j'aurais fait ressemblant. Ok, ok. Donc, bon, je pense que, de toute façon, au niveau du temps, c'est bon. Ça fait la demi-heure. Ou pas loin. En tout cas, ouais, bon, donc je vais continuer sur les visages demain et assez rapidement. Et donc, comme je disais, je vais partir sur autre chose. Ça sera quand ça arrivera. Ok, donc bah, passez une bonne journée, amusez-vous bien, dessinez bien et à demain. Et cette fois-ci, il y aura une vidéo demain également. Allez, ciao!